entrer dans la ruche et ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, et ça pique, ça pique. Salut les copains! Bon, eh ben, c'est les 10 ans de Charles Guebfrolon cette année. Charles Guebfrolon, ça a eu 10 ans le 6 juin. Aujourd'hui, on est le 13. Et j'ai la combi, pourquoi? Parce que regardez là-haut, là, au bout de la petite pointe, là, il est tout petit. Mais il y a déjà du monde. On va aller voir ça. Voilà, j'ai pas mis la perche, c'est pour vous, les gars. Sinon, ça serait fait la perche. Allez, vous allez monter avec moi. Ça va vous secouer, c'est pas grave. Secouez la caméra. Vous aimez bien ça. Si je vous secouais pas, ça serait pas moi. Ça serait pas marrant. Si je vous secouais pas. Hop. 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 Alors, pour la petite info, bombe de froid. Le nid est tout petit. Je vais éviter de mettre de l'insecticide par terre. Il y a un chien, il y a plein de monde. Voilà, donc on va les refroidir. Voilà. Ça marche bien. Hein. Hop. Il y a 10 copains qui volent. Donc ceux-là, ça les a pas refroidis. Mais je vais revenir. Ah si, celui-là. Hop. C'est froid, hein. Non, il fait 35 degrés, donc il fait pas froid. Voilà, hop. Je vais refroidir tout le monde. C'est la fin de la bombe, alors autant la finir. Faudra qu'il se pose pour le finir. Rentre dedans, bricot. Non, y a pas copain. Bon, pour la partie intérieure, c'est fait, c'est gelé. On va aller chercher la petite poutre de perlimpinpin. On va mettre un petit peu de poutre de perlimpinpin au pinceau dessus. Et puis comme ça, après, il sera contaminé, on sera tranquille. Allez, je coupe, je vous reprendrai tout à l'heure, le temps de descendre l'échelle. Parce qu'on mène de rien. Faro. Bon, donc me revoilà. Mon petit pot, ma poupoute de perlimpinpin, mon pinceau, et les copains là-haut, qui sont en train d'entrer dans le lit. Allez, on y retourne. Ça sent la connerie, ça, les copains. Ça sent la connerie. Je vais réussir à vous en faire une. Ça pourrait être marrant, ok. Mais non, ça sera pas marrant. Alors, je tiens le tout dans la même main. Voilà. Hop. Petit coup de pinceau. Voilà. Tac. Oh, je crois que je suis remarqué. Je suis déjà remarqué. Là. Et puis pour limiter la dose. Il est repeint. Et puis voilà. Juste contaminé. Comme ça. Ça évitera d'en foutre une dose complète. On va mettre une trop grosse dose avec la DR5. Puis vu que la cliente veut garder son nid, parce qu'elle trouve ça joli, hop, voilà, là tout est contaminé. Ah, il y en a un qui vient de tomber. Ouais, je reviens. L'a tombé le frelon, n'était pas content. Celui-là, je l'ai maquillé, ça se voit. Toi aussi, t'es maquillé. Allez, là, c'est contaminé. Et voilà. Pinceau, poudre de perlimpinpin. Alors les gars, ça vous coûte pas cher. Dans la trousse de maquillage à madame. Vous verrez, c'est génial. Allez, moi je vous laisse. Ciao. Entrez dans la ruche et ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, et ça pique, ça pique.